Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du cahier de coaching qui s'appelle le journal de 28 jours pour sortir de l'esclavagisme moderne qui représente donc le support de travail de La Nouvelle Peau, saison 2, donc le coaching que j'ai mis au point il y a quelques années déjà et donc qui évolue de saison en saison et ce cahier-ci est spécialisé dans le support pour vous sortir de toutes les prises de tête du quotidien, de toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez prisonnier, prisonnière, et qu'on pourrait nommer esclavagisme moderne. Je vais commencer par le quatrième de couverture, comme ça vous saurez si vous êtes concerné par ce cahier, et ensuite vous donnerai les quelques informations. Je viendrai ajouter des photos de l'intérieur du cahier en fin de vidéo, simplement parce que voilà. Les vidéos, c'est à l'envers. Au niveau de l'écriture, hein, c'est logique. Donc voilà, donc si je vous présente un support écrit, c'est logique que vous n'allez rien pouvoir lire si je vous le présente en vidéo. Donc je viendrai simplement rajouter quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'esclavagisme moderne. À qui s'adresse ce coaching ? Vous ne savez pas dire non, vous êtes souvent exploité, vous avez l'impression que les mots pigeon, esclave ou dindon de la farce vous collent à la peau, vous vous sentez souvent de corvée quand une tâche n'a pas été attribuée à quelqu'un d'autre, les autres s'adressent à vous de manière autoritaire, vous vous sentez vite dévalorisé par l'autre lorsqu'il essaye de vous faire remarquer votre différence, par exemple. Le bien-être des autres ou les autres en général passe avant le vôtre, par exemple vous êtes sur le point... Vous êtes en train, c'est l'exemple que je donne dans la vidéo de présentation. Vous êtes en train de faire une relaxation et donc de vous accorder un moment pour vous. Et puis il y a votre téléphone qui sonne, vous arrêtez votre relaxation et vous décrochez. Oui, c'est de l'esclavagisme moderne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande avant chaque session de couper vos téléphones, de vous mettre dans un endroit relax, de vous préparer un petit verre d'eau, d'aller faire votre petit pipi pour ne pas être dérangé, et puis de couper tout ce qui peut être source de dérangement, d'avertir votre famille de ne pas vous déranger pendant les X minutes qui suivent. Et c'est pour ça qu'on vous le dit en fait, parce que sinon vous allez céder à la tentation de voir qui vous a envoyé un texto. Voilà. Si vous avez répondu oui à l'une de ces suggestions, ce coaching est fait pour vous rassurer. Voilà. Ce coaching n'est pas un médicament. Il ne remplace pas un diagnostic médical. Ce coaching n'est pas non plus une potion magique. Parce que je ne suis pas une magicienne. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous faire changer. Si vous ne mettez pas la main à la pâte, n'achetez pas le livre. Voilà. Je vais faire un bref retour en arrière quand même et vous expliquer ce qu'est le coaching La Nouvelle Peau. Donc ce sont des saisons différentes, chaque fois de 28 jours. Oui, il faut faire les 28 jours en 28 jours et pas en 6 mois. Chaque saison porte un thème différent, donc la saison 1 c'est 28 jours pour se créer une vie à votre image, la saison 2 c'est 28 jours pour sortir de l'esclavagisme moderne, la saison 3 c'est 28 jours pour aller à la rencontre du soi, et la quatrième saison c'est 28 jours pour embrasser votre mission de vie. Chaque saison donc dure 28 jours, répartis sur 4 semaines en 4 actions différentes. Observation, prise de décision, établir une stratégie et passer à l'action. Pour la saison 3 et la saison 4, ces 4 piliers qui représentent la saison 1 et 2 en fait ne sont pas identiques, mais je ferai une vidéo quand je recevrai les supports pour vous présenter également les contenus. Vous pouvez les retrouver de toute façon sur la plateforme qui se trouve sur le site internet qui s'affiche juste ici. Toutes les infos se trouvent en dessous de la vidéo.
On m'a également demandé s'il était nécessaire d'acheter et le coaching en ligne et le livre. Les deux sont complémentaires, mais vous pouvez très bien ne souscrire qu'à l'un ou n'acheter que l'autre. Vous ne serez pas perdant si vous décidez uniquement d'investir dans le cahier, par exemple. Il y a déjà pas mal de pistes, donc je vais prendre quelques clichés, hein, les mettre en fin de vidéo. Il y a quand même déjà pas mal de pistes pour vous permettre de commencer le travail par vous-même. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, pourquoi ne pas souscrire sur la plateforme finalement et là recevoir les vidéos en ligne et pratiquer aussi tous les exercices supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc, ce que je peux vous dire sur le cahier, c'est que moi je le trouve super joli parce que la mise en page, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la saison 1, me convient mieux que ce que j'avais fait avant. Elle va certainement vous convenir mieux à vous aussi. Il y a pas mal de... Allez, il y a pas mal de... d'espace aussi, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus aéré. Il y a vraiment... c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Je suis complètement satisfaite du résultat. Enfin, je me répète, je suis désolée, mais je vous avoue, émue par le résultat et complètement, je me répète, satisfaite. Voilà. Je vous invite à découvrir les photos qui suivront et n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas qu'il n'est plus accessible via Amazon, mais uniquement via la maison d'édition. Et que la maison d'édition fait une action une fois par mois environ sur les frais d'envoi gratuits, les frais de port gratuits dans le monde entier. Ce qui est non négligeable parce que quand même les frais d'envoi c'est... Enfin, voilà, ici la saison 2 c'est environ 140 pages, la saison 1 je crois que c'est 120 pages. Donc voilà, c'est quand même un poids quoi. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et surtout, éveillez-vous bien.